l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Son nom, Jacques Kaboulakatoué. Il veut redorer le blason longtemps terni de cette équipe chère qu'il a vue naître et grandir. Le FC Saint-Éloi à Loupopo. À travers ce reportage, nous allons vous bercer avec des images depuis qu'il est à la tête de cette équipe jusqu'à ce jour. Bienvenue, je suis Denis, du son choix. C'est qu'il faut le canon pour arracher 3 points. Pour arracher 3 points et puis tout le temps, la match il y a GSK et puis ainsi de suite, la match il y a Renaissance. Jamais qu'on gagne en avance, que tu es pour les 9 points, non. On va concentrer d'abord pour le match à dimanche. Et puis, tant que les gars dimanche, tout à l'heure, il y a mercredi contre GSK et puis après, voilà, tout le temps, il y a un match de Renaissance. On soutient la maman, ils ont la voix totale, on va tirer une machine. Au bas dans les réseaux sociaux, puis au bas dans la place, tout le monde va soutenir la Libéré pour soutenir l'équipe Nabarro. Donc j'espère qu'on a décidé de toujours travailler. Et la travail, tout ça va résister. Venu ici pour gagner, on est premier et on compte rentrer à Lubumbashi en étant premier. Que nous avons suivi l'entraînement d'aujourd'hui, donc nous sommes satisfaits déjà et il y a lieu d'espérer. Si vous le gagnez, nous allons nous confirmer que après avoir joué 8 matchs, nous sommes le premier. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Vous avez le devoir de gagner. Et cette année, c'est compliqué. Il n'y a pas de petites équipes. Vous avez vu, nous avons gagné Bazano 2-0. Mais Bazano a tenu Mazembe en échec. Vous avez vu que Blessing nous a tenu en échec. Donc, ça se passe comme ça partout. Mais vous faites tout pour gagner le match. Et il ne faut pas négliger. Vous avez vu les gens qui sont venus de Lubumbashi. Les gens se sont mobilisés à partir d'ici, de Kinshasa, juste pour venir vous encourager. Venir vous encourager, c'est obtenir la victoire. Faites-nous plaisir pour atteindre 3-4 buts.
je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Spécial Loupo pour se terminer pour aujourd'hui, sous cette pluie de bénédiction. Nous vous avons fait voyager virtuellement à travers ce reportage sur les activités menées par le numéro 1 de cette équipe chère aux Louchois, les Lumpa. L'avenir est encore meilleur. Merci à toute l'équipe de communication de notre équipe, le FC Saint-Éloi à Loupopo. On se dit au revoir et à bientôt, car l'avenir est encore meilleur avec Jacques Aboula Katoué.